fais bien de te casser, pauvre con. Hé, hey, sale tricheuse. Hé, hey, dis con, t'as pas un truc pour nous sortir de là? De quoi il parle? Qu'est-ce que j'en sais? Enfoiré de merde! Ils ont pris le pognon et ma flasque! Kaloum, là, il a 17 putains de couteaux sur lui! Et il me tire ma flasque! On aura vite récupéré l'argent. C'est pour le bateau que je m'inquiète. Ouais, au moindre pépin, notre associé quitte le navire plus vite qu'un clandestin! Et allons donc savoir où il est maintenant! T'as une lame? Ouais. Tu peux forcer le verrou? Les doigts dans le nez, mec. Allez, qui veut jouer la revanche? Ces connards vont payer. Bien. Du coup. Hop là. C'est parti. Et on va en finir avec on cette entre, coop. On récupère notre argent et on... Il n'y aura pas d'autre mission. Une fois en lieu sûr, on pourra contacter ces taux. Cible repérée. Merde, où? Allez, pas la peine d'en chier, rentre. Je... Je commence bien, moi. Avant que je lance de l'au-delà. Du coup, donc, on récupère nos armes et notre tumeur. Il est là, sale bête. Là, va arrêter. Merde. Mais je suis vraiment nul. En même temps, j'ai pas mes flingues. Ouais, merci. Ok, c'est bon. Ferme-la. Tu fais vraiment pas de toi, gamin. Bordel de merde. Casse-toi des munitions. Et bordel. Je perds de la vie comme un teubé. Je peux pas être efficace. Je peux pas. Putain, en plus, on est en normal. Je précise. Parce que, une fois, je suis tombé sur une équipe qui voulait faire le truc en folie pure. Truc, mais de ouf, quoi. Qui fait le truc en folie pure? Les warriors, des mecs un peu en mode warrior, ça s'avance. Et vu que je meurs comme une brêle. Ah, illumination. Non. Ça commence bien cette histoire. Du coup, le problème, c'est que c'est dur de commencer avec des flingues de merde. Du coup, putain. Ça, c'est dur. Le pognon passe avant tout. Commencer avec des flingues de merde, c'est pas pratique. Ouais. Tout le monde a vu? C'est pas blanc. Non, ça va. Ah, merde, c'est vrai qu'il y a des aussi. Je ne l'oublierai pas. Ok. J'en ai eu un. Et t'as fait un petit peu de temps. Là-bas, faut buter cette saloperie. Là, je me débrouille bien.
Excellent, les affaires reprennent. En avant. Ah. Ah, le pied. Récupérer son équipement. Faut qu'on quitte cette plage. On pourra pas contacter Seto tant qu'on aura tous ces cons sur le dos. Du coup. Alors Jailbreaker, en fait, j'ai tendance à penser que c'est pas forcément la. J'ai tendance à penser qu'en fait Ubisoft avait prévu de faire d'autres missions sur le mode coop. Du coup. C'est mon impression. Donc du coup ils ont après ils vont arrêter de s'y consacrer. Pourquoi j'ai changé de viseur? J'aurais jamais dû faire ça. Je suis pas à l'aise avec ce viseur. Je suis pas faire mon ancien viseur. Une idée plus pratique, en soi. Alors j'ai déjà essayé de filmer ce chapitre par exemple que vers la fin, je me remettais combien de fois. Chaque fois t'avais plein de joueurs qui se barraient, parce qu'ils en pouvaient plus, parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Donc si en fait c'était une mission, il fallait réunir des roquettes, tout ça. Et les mecs faisaient n'importe quoi. J'ai récupéré une roquette, personne venu me protéger. Du coup, il y a eu un moment où ils prenaient tous des roquettes. Putain. Du coup, j'étais mais waouh, je peux pas m'en sortir. Du coup, à un moment, à la fin de la journée, j'étais mort, j'en pouvais plus. J'ai dit non, c'est bon, vas-y, arrête. Faire ça une autre fois. Va manger, repose-toi, va dormir. Et voilà. Mon cerveau sera plus sain d'esprit. Donc, espérons que ça va bien se passer. Sniper, faut pas se faire exploser le crâne. Il vaut bien faire le ménage correctement. C'est sûr, s'il y a l'un qui fait l'autre qui est déjà parti là-bas. Non, je voulais y arriver. C'est pas de ma faute, il y a encore des ennemis et que l'autre était déjà parti là-bas, quoi. Oui, alors peut-être.
Allez. Go. Ah d'accord, donc c'est moi le healer de l'équipe. Ok. Pourquoi pas? Ouais, mais non, je vais pas par là. Faut jamais aller plus vite que le jeu, c'est ça le problème. Un sniper, faut le descendre. Arrête d'hésiter, viens par ici. Hey, calme, gratos par ici. De quoi s'occuper en attendant. Qu'est-ce que t'as ? T'inquiète pas, ça va pas te tuer. Je vais être plus rapide, ok. Pourquoi pas ? Oh le pépard. Par contre le sniper il est là-haut. Putain. Ah non mais les chiens ils sont casse-couilles là. Bon, ça se passe mal, ça se passe mal cette histoire. Quand il veut, c'est tôt pour répondre. Quand il veut. Merde, ils arrivent par la jungle. Hey, je recharge. Il est HS. Attention, il a un couteau. Hey, un sniper, faut ouvrir l'œil. Recharge. Putain. Saleté de sniper à la con. Ouvre-moi, je dois te soigner. Ouh.
Un ami, il est temps, c'est là. A eu moins de chance. J'aimerais récupérer ce que je peux sur l'épave. Ensuite, je vous emmènerai loin de cette île. Je vais vous chercher près de la route. Il est vivant. Super. Là, on va jouer. Hey, arrête-toi! Salopard, droit devant! Enfoiré, droit devant! Ils s'en sortiront pas vivants! C'est mes dernières balles. Faut buter le lance-roquette. À l'avoir eu. Hop là. Plus que quelques balles. Lance roquette. Ah bah je remonte. C'est bien ça. Hop là. C'est mes dernières balles. Attention, là, lance-roquette. Trop lent. Bah ouais. Ouais, compris. Deuxième. Presque plus. Allez, je crois qu'on devrait plus être très loin. Bon, par contre, j'ai oublié de mettre les sous-titres. Ça, c'est chiant. Excusez-moi. Oui, je suis prêt. Ils ont tous des arcs. D'accord. En même temps, c'est pratique hein, contre les gros, pour les faire brûler et tout ça. Mais bon, après, c'est quand même dangereux dans le fait que dans l'environnement qu'on avance en même temps. Là. Toi t'as pas été très malin mais... Merde. C'est toujours un mauvais moment. Tu veux augmenter tes chances de survie? Qui veut des... Qui veut quoi? Qui veut shooter un petit peu? Ok, on refuse pas ce genre de truc. Tiens, amuse-toi bien. Hey, il y a des doses par ici. Dernière dose. Hey, Cam Gratos par ici.
Ah, quel connard. Me snob. J'hallucine. Comment ils m'ont snobé, quoi. Allez, go. Sniper, faut pas se faire exploser le crâne. Il est HS. Et j'ai toujours fait preuve de beaucoup de talent. On va s'en trouver un autre. On va s'en trouver un autre. Te bile pas. Du coup. Donc là on arrive normalement vers la fin. Et c'est là que j'avais beaucoup chié. Du coup. J'ai un de mêmes à péter des plombs. C'est très rare que je pète les plombs sur un jeu. Pour vous dire, parce que moi je suis quelqu'un qui est toujours à contrôler. Du coup, j'aime pas perdre le contrôle de mes émotions. Aïe! T'auras besoin de ce truc, c'est clair. Je vois un bateau, il faut le détruire! Allez, vas-y. Et voilà. Joyeux Noël. Et pour elle. Le truc, c'est qu'il faut rester près des uns des autres. Hein. Du coup, ne pas trop s'éloigner parce qu'il y a des roquettes à récupérer. Pour faire exploser le bateau là-bas. Donc voilà. Donc du coup, dès que quelqu'un trouve, faut escorter. Ouais. Alors ici c'est un gros truc d'enfoiré parce que t'as des snipers sur ce point là. C'est jamais bon pour nous. En général. Allez, on a dit en avoir 3. Une autre roquette. Hop.
était sur mon chemin, gars. Non, mais... Pourquoi quand je prends une putain de roquette, ils apparaissent? Tente de salaud. Puis les autres, ils étaient pas à bon protéger. Ça, c'est le truc qui me frange à quoi et ça m'énerve. La roquette, elle est là. Ouais, merci. Vous voulez, non? Donc c'est bien, au moins ils tiennent les positions. Bon, par contre, il y a les chiens. Après, faut tous les éliminer. Donc, au moins, ils sont pas si dit. Au moins, contrairement aux autres hier soir, ils sont pas dispersés. Ça, c'est cool. Si on reste près les uns des autres, c'est mieux. On peut veiller à savoir qui est là ou pas. Bordel de merde, cet enfoiré a un lance-roquette. Attention, ce taré a un couteau. Il y en a trois là. Putain. Je sais pas où tu cours. Ah, c'est bon, on est fini. Cool. C'est dégagé. Ah ouais. Prends ça, saloperie de Rafio. C'est de la part de Seto.